Charles. Je crois que... Charles, il est né il y a 100 ans, le 7 septembre 1910. Bah, pas très loin d'ici, dans la rue qui descend là, à l'époque elle s'appelait la rue Longue. C'était une autre époque qui a préparé celle-ci. Et c'est les racines qui ont permis aussi de réaliser ce qui se réalise aujourd'hui. Pour les 100 ans de Charles Imbert, je crois qu'on est tous empreints d'émotion parce que nous vivons sur cette parcelle de terre. Et pour nous, c'est tout un parcours, quelque chose de très riche qui s'est vécu tout au long de ces 100 ans. Et chacun a une part et une parcelle de ce vécu. Cette année 2010, ironie du sort, a vu la naissance au village d'un petit Agnésois qui s'appelle Ange Demain. Évocateur, non ? Charles Imbert est sans nul doute un pionnier, un de ceux qui s'engagent avec le cœur pour construire une communauté de vie et de destin. Alors, les premiers pas donc, de Charles Imbert, ses premiers pas au service de la communauté, se font en 1928, où il est membre fondateur du comité des fêtes. En 1939-1944, Charles Imbert est mobilisé au col des banquettes et y participe ensuite au ravitaillement et à l'approvisionnement de la commune avec notamment Madame Thibert et Madame Torty, épicières, toutes deux, donc une au village et l'autre dans la vallée. En 1945, son engagement pour l'autre se traduit par son entrée au conseil municipal sur la liste de Jean Godot. Là encore, en 1977, il rejoignit pour un dernier mandat le conseil municipal de Sainte-Agnès sur la liste de Roger Valletta, et ce jusqu'en 1983. Charles Imbert participe également en 1977 à la construction du comité des fêtes qui venait d'être dissous, en fusionnant les bonnes volontés ainsi que les membres fondateurs du comité historique de 1928. Il est élu trésorier du comité cette année 77, pour le rester jusqu'en 1984. Notre pionnier est aussi un homme de devoir et un devoir de mémoire. Il devient en 1990 notre écrivain, évoquant la vie des habitants de la commune, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Il y peint la société agnésoise, un certain mode de vie dont le souvenir risquait de se perdre. Par sa plume, les Agnésois ont accès à leurs racines, qui certainement, sans lui, serait restée muette. Charles Imbert, vous l'avez compris, est un homme de cœur et de conviction, de ceux qui sont profondément attachés à leur terroir, à ce village de Sainte-Agnès, à ce col des Bosquis, et à cette vallée des Castagniens incomparable. Cet homme a la trace de 3 siècles dans ses veines, l'histoire du 19e siècle, la randonnée du 20e et l'ouverture sur le 3e millénaire. Merci à votre famille, merci Monsieur Imbert, merci pour ce regard toujours neuf. Vous êtes résolument ancré dans des valeurs où le temps n'a pas de prise. Joyeux anniversaire, joyeux centenaire, merci pour ce que vous êtes et ce que vous représentez, et vive à Sainte-Agne. L'occasion donc lui offrir un cadeau qu'on lui a préparé, un olivier. Alors il est évident que l'olivier c'est un signe de longévité, de solidité, mais nous on y voit surtout les fruits qui sont portés, et les fruits qui sont portés ce sont des fruits qui produisent de l'huile, donc une huile qui est de l'or, qui est gorgée de soleil. Et pour nous, Charles Imbert, eh ben c'est l'engagement porté et tout ce qu'il a pu apporter pour sa commune. Et une démarche qui s'est faite sans attendre et qui s'est faite uniquement pour le cœur et uniquement pour donner. Donc on peut applaudir Charles Imbert.
même les olives dessus. Hein. Pour la mentonnaise, il y a une particularité qui fait que elle soit ici aujourd'hui, c'est que Lucien et sa femme, hein, Lucien Humbert et sa femme, ont fait partie de la mentonnaise. Donc on peut dire qu'on est, et puis Sainte-Agnès aussi est très largement liée à la mentonnaise. Voilà, donc nous sommes heureux de les accueillir et ils vont nous chanter quelque chose pour notre plus grand plaisir. On peut les applaudir. Je suis dépassé par les événements. Je ne croyais pas autant de choses. Merci à tout le monde et à se revoir toujours avec le même amour. Pour vivre à Sainte-Agne. Charles Hip Hip Hip. Il y a le petit gâteau qui a été confectionné spécialement pour Charles par le pâtissier. Et il y a bien sûr une bougie à souffler, une grosse bougie. Voilà. Alors, tu vas essayer de la souffler, la bougie, hein, hein. Bon. Allez, on y va. Vas-y. Oui.